jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. On se retrouve du coup pour le premier épisode du Let's Play. C'est parti, Super Mario Odyssey. Et comme vous pouvez le voir, et dans Julien préfère Media Player à VLC, donc nous allons pas revenir sur ce choix. On va télécharger la dernière petite mise à jour. Mais bon, voilà. Ah, un jeu qui peut se jouer en coop. Donc, à toutes les personnes qui sont sur le live, je vous demanderai de voter si vous voulez que je fasse la coop avec Julien. J'en vois que Julien est... Personnellement, moi, j'ai pas trop envie. Est incroyablement ravi, hein. Évidemment, Julien, oui, tu es ravi. De faire une petite coop avec lui, hein. Au pire, je fermerai ma gueule et puis voilà, comme il le veut. Et voilà. Ouais, mais voilà, moi perso, je préfère le faire tout seul, parce que voilà, c'est quand même une aventure Mario. Ah, mais il a dit une intro très sympathique, et il dit aussi, oui, j'aimerais aussi beaucoup voir... Merci, merci Vetka. Ah, c'est parti. Alors, essaye de jouer avec les Joy-Con détachés, oui, parce qu'il y a, il y a un petit peu de reconnaissance de mouvement, mais je vais pas jouer comme ça. Détaché. Non, je veux pas, Vincent. C'est le jeu qui te dit. Attends, par contre, il faut que j'appuie sur quelque chose, ou... Faut que tu détaches. Okay, oh, ok, bon, commencer en mode assisté. Bon, on va pas faire le mode assisté, je pense que ça va. C'est parti, commençons. On a le même bruitage que dans Super Mario 3D World. C'est assez intéressant. Au-dessus du château de Peach. Ok, très bien, donc on commence directement avec l'histoire du... Oh putain, bah d'accord. Ça commence directement avec un pain dans la gueule de la part de Bowser. D'accord, oula. Ok, d'accord. Ah ouais, Bowser n'est pas bien. Et personne n'est venu à mon mariage, c'est quoi cette connerie? Regardez, je m'étais fait beau. Et maintenant, il est temps d'en finir. Avec le choix-peau. Ah ouais, donc en fait c'est Bowser en premier qui a fait ce... Oh. Je suis prêt à vous parier n'importe quoi que dans le prochain Smash Bros, le lancer de casquette de Mario sera une des attaques de Mario. Et je pense que ça sera... Oh, oh putain. Wow. Je vais épouser Peach. Je suis jaloux, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus compréhensible, Bowser. J'ai l'impression qu'il est assez drôle. J'ai pensé à Spider-Man dans la série des 60. Mon dieu, c'est là où j'habite que tu vas détruire. Oh putain, il a... Oh d'accord. Ah merde. Alors d'abord, elle a été ratée. Oh putain. Oh là. Oh, c'est assez triste comme image. Mais heureusement, un bout avait un chapeau. Et il décida... Et la mise à jour corrige du coup quelques bugs, nous dit Malika. Oui, ouais, ça c'est comme d'habitude un petit patch à chaque fois. Okay, le fameux patch Day One. Le fameux patch Day One. Bon, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Je sais pas si ça s'entend, mais moi, genre, dans le casque, enfin, avec le casque sur les oreilles, j'entends et vraiment. Ok. Donc, avec le stick droit, on va sauter. Ah, ce fameux petit monde qui rappelle un petit peu les... Qui rappelle un peu Tim Burton. Ouais. Ok. Donc, on peut contrôler la caméra comme on veut. On a une boussole. Mets la caméra au-dessus de toi. On dirait pas genre la tapisserie de l'hôtel Overlook, mais en décoloré. Si tu veux. Ok, enfin, ouais, donc ça, genre, ça. Tu vois le plancher, la moquette. Oh, joli. Il est bien agi, le père Mario. On peut toujours... Alors, Mepi a dit, ça sera peut-être un Mario à part entière, comme pour la prochaine Smash Bros. Genre le Mario Odyssey et le Mario... Ah oui, pas con. Et le Mario normal, comme du coup Dr Mario. C'est pas impossible, ça. Alors moi, il j'adore nous dit ça. Tout de suite, tu ne regardes pas, s'il te plaît. De il quoi nous dit aussi tout de suite. Ah, Vincent, s'il te plaît, c'est... Alors moi, j'aime beaucoup ce mouvement. La roulade a été introduite, je crois, dans... Super Mario 3D Land, il me semble. Dans Sonic Adventure. Et j'aime beaucoup ce mouvement. Bon, ok, donc là, on va aller chercher le chapeau. Je vais dire le lapin, comme dans les Super Mario 64. D'ailleurs, ils ont repris la vue de Super Mario Galaxy. Ouais, alors oui, on a 3 cœurs. On regardera la carte après, le menu. Oh là là là, on a rien vu. Oh mon dieu. Ah, mais je veux tellement vite jouer. Qu'est-ce qu'il y a dans les options? Choix du mode. Gestion des données.
Paramètres de la langue. Ah, on peut sauvegarder quand on veut, d'accord. Paramètres de la langue. Oh putain, ah ouais. Tu peux mettre en canadien. Facile. Ok, bon, hop. On peut sauvegarder quand on veut, ça je savais pas. On peut jouer quand on veut aussi, si jamais ça t'intéresse. Oh oui, le son en longueur. Waouh, waouh, wow. Oh, le son en longueur, l'animation qu'ils lui ont fait. Oh la vache. Attends, est-ce qu'il y a le triple saut? Oui, excellent. Attends, recours, cours, cours. Ok, regarde, cours. Attends, cours. Comment. Mais. Comment on fait pour courir? Attends. T'as merde, je sais pas courir. Alors. Bon, déjà, on se déplace assez vite. Déjà bien. Alors, Metka se sert beaucoup des pirouettes pour aller plus vite. Ouais, bah je comprends parce que c'est vrai que je sais pas comment on peut courir normalement. Alors, en fait. T'as ta boussole aussi, hein, ou si oui. Jamais tu veux savoir où est le nord. D'où qu'il sort celui-là. Alors, Vincent, est-ce que tu t'en souviens à combien de temps à peu près on a lancé le jeu? On a lancé le jeu il y a même pas 5 minutes, non? Oui. Ok. Parce que pour faire des petites coupures de 30 minutes, t'es un des leurs. Ok, bon là, il y a pas de musique, c'est vraiment triste. Hein. Non, bah c'est le VH Tim Burton, il y a pas de musique. Ça va? Non, pas ça va, tu dis. Ça va? T'as joliment morflé, hein? Ce lourdeux de monstre de Bowser s'en est aussi près à notre patelin. Il a enlevé ma petite sœur. Oh, c'est triste. Ah, ben c'est ce qu'il y avait sur la. Sur la tête de Peach. Ma calonne ne fait ni une ni deux. N'a fait ni une ni deux, je me suis rué vers un vaisseau pour poursuivre cette brute de monstre. Il vole, pourquoi elle va avoir besoin d'un vaisseau? Mais il n'y a. Quoi? Mais il n'y en a plus un seul en état de voler. Ah! Mais tu voles! Mais bon, Vincent, s'il te plaît. Cela dit, il doit bien rester un vieux rafio encore utilisable dans le pays voisin. Je pourrais m'y rendre depuis le sommet de cette tour, mais les acolytes du monstre Bowser ne me laisseront pas passer. Dis-moi, on est dans la même galère, toi et moi, non? Non. Non. Attends, on dirait de l'espagnol, tout ça. Ensemble, je suis sûr qu'on arrivera à sauver nos deux demoiselles, la couronne et Peach. Oui. Oh, j'ai pris ma casquette. Justement, je l'ai dans ma main. J'aime pas ce chapeau. Pas convaincu. Peut-être comme ça. Je fais sa voix. Wow. Oh. On a retrouvé notre bonne vieille casquette. Avec des yeux. Capi est maintenant votre compagnon. Excellent, alors on va apprendre. Essaye de me lancer avec Y. Ok. Alors, wow. Oh, il y a Ossan qui est venu et qui est arrivé. Bonjour Ossan. Oh, triste, oh Ossan. Oh, d'accord. Bon, il y a Ossan. Bonsoir Ossan. Tu peux faire comme ça. Qu'est-ce qui est triste? C'est triste tout ça. Ça va. C'est parce que je suis mal. Oh, regarde, tu peux l'envoyer comme ça là. Tu balances. Oh putain. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, d'accord. C'est pourri, putain. Je ne sais pas. Mais c'est pour ça, il faut mieux que tu l'enlèves le support. Attends, j'essaye deux secondes. Regarde, sans les Joy-Con. Tu fais comme si tu lançais un frisbee. Ouais, j'espère ne pas. Ok, donc là je suis comme ça en mode. Vas-y, je voulais pas. Hop, dans ta gueule. Ah, bon, en fait, le truc, c'est que j'ai un micro devant en fait. Bah, attends. Tu fais comme ça là. Ah, c'est amusant, c'est sympa, c'est intuitif. Alors, si je veux taper en dessous. Voilà, si je veux taper au-dessus, j'ai dit au-dessus, voilà. Ah. Ouais, bon, je vais revenir avec le... Coucou les gars. Ouais. Avec le, comment ça s'appelle? Le support, parce que j'ai pas envie de faire des mouvements dans tous les sens. Ok, bon, on a compris comment ça marchait. Ok, d'accord. On fait ça. On peut casser les bougies. Ah, par contre, ouais, comment je fais pour le lancer en haut, du coup, sans le... Sans la reconnaissance? Moi, je peux faire ça comme ça, à la limite. Lance-le et saute dessus. Ah oui, attends, c'est vrai que. Ah oui, il y a l'histoire que tu peux faire comme ça, tac. Ah merde, ah, je peux peut-être pas encore le faire. Ouais, je peux peut-être pas le faire. Après, il y a aussi le truc qu'il peut faire une toupie autour de toi. Oh putain, oh. Wow. What? Quoi ça sert? Je sais pas. Oh, d'accord. Putain, ma voix, c'est ridicule. Wow, attends, est-ce qu'elle a l'acrobatie arrière? Oh oui. Bonsoir à Derulo. Oh bonsoir Derulo, comment ça va? Comment ça va? Putain, je suis pas bien moi. Bienvenue à Audebourg, capitale des chapeaux. Audebourg Palette.
Est-ce que j'ai entendu parler du mode d'emploi? Bon, non, oui, c'est bon, je connais. Fais attention à toi. C'est marrant parce qu'en quoi plus, que, attends. Il va peut-être m'expliquer comment je le lance en haut. C'est marrant parce qu'en plus, ils te mettent sur montre-moi ça. Ah non, d'accord. Comme genre le hibou dans Zelda Ocarina of Time. Ah, c'est vraiment. Veux-tu que je te répète? C'est déjà mis sur Wii. Oups là, petite calipette, excellent. Ok. Oh, on peut descendre là? Oui, ah, je crois que je t'avais pas vu. Ok. Oh! Petite cachette. Alors, de chapeau. Dans ce Mario, va falloir chercher à gauche, à droite, partout, hein, parce que les lunes. Eh, attends, t'as pas regardé sous ces posters? Non, bah, tu voyais bien qu'il y avait rien, Vasson. Ouais, tu te crois plus malin que moi? Oui. Okay. On peut rentrer dans les maisons? Déjà, c'est pas des maisons, ce sont des vaisseaux. De putain. Déjà, là, il y a un mur. What? Ça bouge en fait tout seul, ce truc, c'est chelou. Oui, de l'argent. Oh, un petit lac, excellent. Hop. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Truc de voyage, lancer de chapeau maintenu. Évitez de casser une pile de caisse ou de percuter un bloc de manière répétée. Maintenez Y appuyé quand vous lancez votre chapeau, il continuera de tourner sur lui-même pendant un moment. Ah. Voilà. Ok. Oh. Ah, c'est comme ça que je peux du coup me servir de ça comme plateforme. Ok. Oh, c'est... T'as failli. Ok. L'entrée de chapitour est plus loin là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là? Ok, donc vraiment tout va se jouer avec le chapeau. Hein. Oh. Ok. Les sbires du monstre monstre sont toujours en haut. Alors, de la tour. Rouleau, nous, on fait pas le coup. En pression son permis EEC qui est méga chaud. Ah, mais j'ai entendu, oui, parce que t'as fait un petit live sur VIP Mario 2. Y a pas très très longtemps, et dedans tu parlais que tu passais, t'avais tes examens, que tu t'étais fait des fiches et tout pour tout apprendre, tout ça. Il y a des examens dans moins de 2 semaines et ils maîtrisent pas les manœuvres. Ah, bon, 2 semaines, t'as encore le temps de t'entraîner, de bosser dessus, mais ça va le faire. J'espère pour toi en tout cas que ça le fait. Et merci Vincent de la référence. Oh. Non. D'accord. C'est quoi cette petite bête? Oh, il y a des petits Goombas. Oh putain, je se faire perdre une vie par un Goombas comme. Je pense que même les personnes, même la personne là qui avait fait le gameplay au Nintendo Spotlight, elle jouait mieux que toi pour le coup. Allez, rentrons. On peut pas rentrer. Ah si. Tu ouvres la porte. Tu frappes dessus. C'est comme ça qu'on ouvre les portes. À l'intérieur de la chapitour. Oh, la petite musique bien sympathique. Tous les jeux de mots avec chapeau sont autorisés. Est-ce que vous entendez bien en fait? Je vous ai pas demandé si vous entendiez bien le jeu, pas la moi. Voix, tout ça. Pas moi. De toute façon, t'as pas voulu mettre de casque. C'est pas faux. Attention! Non, c'est bon, ça gèle pas, j'ai eu peur moi aussi, mais non. Par contre, tu bats dans l'eau. Tu nages. On va prendre les pièces, hein, parce qu'il y a du. Des... Oh putain! Plus haut. Ça y est, première transformation, les gars! Oh putain, ça y est! Waouh! C'est Mario in Machina! Il faudrait mettre la musique de Toru par-dessus. Genre, si on place le Tardis là par Mario, il faudrait une petite séquence. Nous sommes une grenouille! Alors Osen qui dit on n'entend rien du jeu. Oh mais putain mais faut le dire mais. Excusez. Alors Medka qui dit mais c'est désormais un ex-plombier. Eh oui maintenant c'est un. Comment t'avais dit déjà Vincent? Non j'ai dit il y a des théories qui disent que c'est un jardinier. Non, c'est pas ça, mais maintenant ils disent qu'en fait c'est un mec genre multifonction quoi, parce que puisqu'il fait les Jeux Olympiques, il fait du kart et tout. Oui, mais il y a des théories qui disent que c'est un jardin, mais ils ont rien dit sur qu'est-ce qu'il est maintenant. Si, ils avaient dit ce qu'il était maintenant. Excellent ça. Ensuite, quand j'aurais réussi le permis, j'aurais un CDD de 12 mois et payé plus de 2000 par mois. Oh, excellent ça. Bon, c'est un peu con que ça se fasse. Ça fasse un peu dommage que ça soit un CDD, mais c'est déjà mieux que rien. Bien joué. Ça y est, tu vas découvrir la vie en entreprise. Putain, c'est excellent ce petit truc de grenouille là, hop. On dirait
On saute vraiment vraiment très haut par contre. Il y a les masques dans Majora's Mask. C'est quoi, on entend peut-être toujours pas le jeu. Hein. Voilà, peut-être que là c'est mieux. Je sais pas trop. Tu trouves pas? Hein? Je te parle! Oui, tu disais, on dirait Majora's Mask. Les masques? Oui. Enfin, ça donne des particularités. Il y a un peu ça. Un petit peu. Attends, j'ai bien vu. J'avais fait des captures vidéo. Il est à la retraite apparemment, donc personne n'en est sûr en fait. Ah, il est à la retraite? Ok, bon, très bien. Très bien, il est à la retraite. Pourtant, il est pas vieux. Alors, Déologie, un CDD de 12 mois et un CDI ensuite. Ah, bah ça va alors, ok, bah nickel. Bah, t'as trouvé un bon plan là, bof. Ouais, j'espère juste que tu vas réussir tes exams. Et sinon, ça sera nickel. Ok. Ah, par contre, on peut pas taper. Ah, oui. Appuie sur ZL. Voilà. Oh. Je vois qu'elle est toute évanouie, donc tu peux plus la reprendre en fait. Ah, non, je voulais pas. Arrêtez la chapiment fausse, voilà. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un... ça donne une... Ah, comme dans Mario Galaxy. Voilà. Ok. Fais gaffe, c'est du feu. Allez, non, Vincent. Bon, pour le moment, c'est... on sent que c'est vraiment le niveau tuto. Hein. Voilà. Mario en grenouille, on aura tout vu. Et on encore. L'a vu. Et encore. Ah oui, c'est vrai que Mario en grenouille, on l'a déjà vu dans Mario Bros 3, le costume de grenouille. Ouais. Et encore, Mario Grenouille, c'est pas le pire. Hein. Imaginez un Mario chat. Tu vas voir. Oh, merci Vincent, Mario. Okay. Putain, leur voix, elle me rappelle. Je sais plus ce qu'elle me rappelle, mais elle me rappelle quelque chose. Elle me rappelle quelque chose. Là, il y a un truc. Là, il y a un truc. Ça se voit. Un vaisseau. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ma copine est restée en bas, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Bah t'as bien de la chance mon coco. Déjà t'as une copine, te plains pas. Je suis désolé. Bon, je peux pas passer là, pourtant je suis sûr qu'il y a un truc derrière. T'avais vu des gens dans ce village? Quoi? On avait vu des gens dans le village. Hmm? On avait vu des gens dans le village. Je ne sais pas du tout. Faudrait peut-être y annoncer. Oh putain. Oh là. Ok, donc en fait le bouton pour faire la roulade et le... Pour faire le triple saut, c'est... Ah non, c'est pas le même. Ok. C'est un peu compliqué, hein. C'est comme monter une pente en vélo en vitesse 1. Ah, ces fameux ennemis. Oh là-bas, il semblerait que ça soit un nouveau pays. Ces fameux lapins, là, que je sais pas où ça. Alors, Dérodo dit, par contre, que la maison le dimanche. Toute la semaine, plus samedi. Ah oui, par contre, ouais, ça, c'est... C'est pas à peu près plus de 2 000 € par mois, c'est vrai que... Après bon. Ah ah, le patron avait raison quand il disait qu'un moustache et cassette viendrait se mettre dans nos pattes. Qui on est? Ah ah, quelle question, incline-toi devant les maîtres de la noce, ordonnateur du fastueux mariage, Bowser Peach. Découvre devant toi les grands Broudals. Alors je ne sais pas où ils sont allés chercher témoin. Le nom. Quoi? Ayez crainte du témoin du marié. Maintenant qu'on a notre trésor. On n'a plus rien à faire ici, à part une petite formalité. Te faire valer ta casquette, Minus, viens donc voir par ici. T'inquiète pas, mon gré. Oh. Très bien, oula, le mec a 3 chapeaux, il déconne pas. Avec les chapeaux, hein, ce jeu, je pense. Alors, selon la l'ennemi est à gauche. Ok, il faut que je saute dessus. Saute lui dessus. Essaye de prendre possession de lui. Non, là je peux pas. Ah! Essaye de prendre possession d'un de ses chapeaux. N'essaye pas de fuir. Oh putain. Qu'est-ce que je peux faire? Je dois faire un truc avec ça. Ah oui, ok. Ah. Ok. Hop, dans ta tête. Dans ta tête. Dans ta tête. Dans ta... Oh oui, génial. Mm-hmm. C'est bon? Oh. Ok, en 2 coups, le mec, on l'a eu. On peut d'ailleurs télécharger Japan Superstar sur iTunes d'ailleurs. Oui, j'ai vu ça. Bon, elle est disponible sur YouTube parce qu'il y a des mecs qui l'ont publié. Mais c'est plutôt cool, en bonne qualité, c'est assez plaisant. En plus, il y a les paroles, comme je vous ai dit, dans la jaquette. Au samedi, on dirait Sonic quand il fait la roulade et les méchants nuls. Et oui, ça y est, Mario vole à Sonic. Regardez ça, regardez ça. Il est pas mignon, il fait la bouboule. Il fait la biboule. Voilà. Vous voyez? Je pense que Somari avait déjà tout prévu.
Oh putain, j'ai réussi à lui faire tourner autour de moi. Attendez, 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 attendez. J'ai réussi à lui faire tourner autour de moi. Joli. Ok. Se déplacer, on peut aussi se secouer les Joy-Con. Et on s'en va. Si c'est pas beau. Devant une lune qui et on a foncé dessus. Le titre du jeu. Ben, je pense que c'est le premier Mario où on met autant de temps à avoir le titre.